les artistes africains, musiciens africains, oyo basako battre plein na bango na nzela owana ya koteka to ya ko talisa ba nzembo Spotify ne to utu koloba. Nous allons commencer par Techno qui est un artiste nigérian et déjà na moi moyenne na ye ils a 1,096,978. Donc ça dit 1,096,978. Toloki na Bell na Boy 4,713,978. Wizkid 4,463,098. En fait, Monsieur Easy, MR Easy, c'est ce qu'on a écrit, Mr. Easy, voilà, in English, 4,616,648. Malik Berry, 1,326,344. Davido, 2,569,804. Fabregas, le métier noir, 21,076. Inosby, 41,352. Nous parlons de la moyenne, hein? Moyenne à moi. C'est le Oscram, 2,154. Papa chéri El Salvatore de la Patria, Jibem Piana, 9,647. Gaz Mawete, 18,037. Mokua Bongo, Félix Oise, quoi. 10,617. Robinho Mundibu, 22,051. De la jungle, Igwe, Uranson, 23,518. Déplic Poma Nuance, 1,880. Fali Ipupa, dit Cap la Merveille, elle Cap de le Tutsi, Nengeto, Messana Kouloba, donc le L Professeur. 267,284. Héritier Watanabe Motonan Tembe, 13,408. Ferregola, Jésus de Nuance, 34,355. Qui évolue en Europe. Nous avons Maître Gims, Gandhi pour ceux qui les connaissent personnellement comme ça, mais du moins Maître Gims parce que c'est notre star, 5,894,410. Dadju, qui est son petit frère, 2,362,242. Que Black. Parce que yo beti ma solo ya Spotify. Mais moi je te dis que ba mission ba oyo to monyona ba Dadju, ba Davido, ba Que Black, ba Techno, ba Whiskey do na. So ko bo tamboli na ba vente digitale ya ba blo mbani ni ba streaming mususu. Na nimi na ngate ke mission moko ya mboka na biso olika bango peka. Ba olika kaka. C'est-à-dire que le lot, ça fait mal comme on a qui va mission à Bisso. Mambo est la priorité et la carrière na bango, bazouango, bazouissango sima. Mambo est la inutile qui jale le ya romona que yo za mission, za danger yo, ba momi balandara yo yo, ce qui n'y soit ni yo ba mission, soit bimisa liboso. C'est honteux. Le lot, mon frère, depuis musique ya komo et banda, si le lot, si on doit dire que le lot, Moutoiseau détenu batteur à commandement à musique à Congo, c'est Maître Gims. Je le dis avec de preuves. Et Bajan Obazoya Lilo, c'est un exemple à copier. Maître Gims a fini en Moutouté. Maître Gims a rivalisé dans Moutouté. Maître Gims a accès à la concurrence dans Moutouté. Maître Gims a mis sa place Moro Boïté. Mais Moukini Lilo, tu comprends qu'il est en train de faire la fierté de la musique congolaise. Parce que c'est un Congolais. Il a mis 4 passeports. Il a mis Changera. Et Lilo, ça dit, moi je pense que. Ce n'est pas mission avec vraiment un problème, je suis que pour nous, selon réflexion, on dirait que comment on va se limiter à ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous avons 10 000, 15 000 pour nous suffire. Et puis, sur le relier, ça n'a pas parlé. Or, il oublie que quand nous avons fait 15 000, quand nous avons fait 1 million, nous avons fait 1 million. Et puis, mais précisément. Et
ya buzo ba nyoso maye les arabes na kati ya maye nyoso pe buzo bi sa ba siriga osana de sanga na jumne osana sensa okoti malewa na sikulu mono na pena fala Charlie Prince patience na pena fala et medo aziza ko maps music Eric Apalai c'était la caviar Gaëtan Vandal Isaac Maï Eric Mbalemba Martin Kai Georges Valentino de Mbuta Zidane Fikou la Congo 10 Olivier Tavares Dior Gustave Kazadi Coco Adel Boyo pour la maman des diamants Mbatu Louche Bango Douceur Love Jeline Mbunga Didier Mukoma Hugo La Bugatti Alaya JCB Colo Bona Mabiala Benjamin Le Quoi. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Rachel Molifa Le Ronca Augustin Goïtas Mieux vaut rougir les yeux de son frère par la vérité que de le crever par les mensonges. C'est sur cette note que nous ouvrons la boucle de cette grande émission terminale. Un rendez-vous en tout cas de pratiquement tous les jours et un rendez-vous qui vous égaye à chaque fois que vous regardez cette émission. Merci à celui qu'on appelle Daryl Diwantesa qui aujourd'hui est en train de chapeauter cette grande équipe technique. Et je dirais merci du côté de la réalisation là où se trouve cette personne qui est visiblement invisible mais capable de manipuler 30 000 30 boutons à la seconde près. Lui s'appelle Parousia Essayo, l'homme le plus serré de nous tous en tout cas. Et c'est lui qui va permettre à ce que nous puissions voir et vivre en tout cas les images. Alors dans le cadre de cette émission, merci à Bandegonio, Sobati, Karate, qu'on s'abonne en tout cas. Abonnez-vous massivement au sein de cette chaîne La Voix du Peuple car à travers cette chaîne, vous apprenez encore une fois davantage. Et Bandego, Bazako, hésitez, moi, Mouké. Voilà, moi, abonnez-vous parce que c'est très important de vous abonner pour apprendre encore davantage. Alors là, sur ces plateaux, je dirais dans le cadre de cette émission, nous avions pratiquement deux sujets sensibles qui vont encore une fois là toucher le cœur de beaucoup de personnes. Et Bandego Baratna, très sensible, Baro, les Ganambao, Baza, un peu fort, peuvent encore une fois là comprendre ensemble là, Bangonde et Rousseau là. Et pour ne pas rester longtemps dans le micro, je dirais bonjour et bienvenue à celui qu'on appelle Vincent Tulis, l'un des invités de cette émission permanente, en tout cas un analyste, aujourd'hui pas comme étant un journaliste, mais comme étant un analyste culturel. Je le reçois et je lui souhaite un bonjour. Bonjour Killer Killer Silentello et puis bonjour Naba téléspectateurs na surtout à la Bicho et les abonnés de la Voix du Peuple mais nga nga la signaler na batutu que donc toza na village Wakanda sika pour yo baza cadre moko un peu plus responsable ils a situé sur l'avenue Mwanda numéro 13 dans la commune ya Kalamu donc juste c'est de wana soboyé beaucoup ta espace ya kitoko avec bazo tumba babiloko bazo lamba et puis masangamo ya pio donc mingi tokutana rare et puis le lona ebige marmorso les ebele marmorso la moise ebele et on rappelle encore et bandeko balinga mo karaoké ça dit si tu parce que le karaoké ça approprié pour na biso bato tozanga ba voix bien donc ça dit si vous voulez chanter il y a un karaoké qui est organisé en tout cas ba mikolo ebele ebele en tout cas la semaine donc ça dit boro le kara à tout moment si vous voulez venir chanter une chanson au choix surtout une chanson et marka vinayo toi et markaka Maramosa Lara, donc, village Wakanda, le tout, en tout cas, se passera bien. Alors là, aujourd'hui, c'est un grand plaisir, hein, je le reçois en tant qu'invité. Généralement, il y a un analyste comme moi, mais aujourd'hui, en tant qu'invité, lui s'appelle Xian Schengen. Donc, Christian, mais Xian Schengen, ce que j'adore. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Killer Kilesi, et puis bonjour, Nabatnyon Stubaota Labisso, sauf Bafiti Nabajalou. Boni, ça se passe bien. Ouais, ça va. Ça va, Léo les 30, donc. Léo Naza. On dit que Batouna va tellement mon nom, on dit moi. Mais. Un costaud. Un costaud. C'est vrai. Costaud, oh, Dieu merci. Dieu merci. Vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est déjà les 30. Aujourd'hui, c'est les 30. Profitez de cette occasion. Non, aujourd'hui, déjà, c'est le 30. Donc, Neto Lobabouye, na la voix du peuple. Na chaîne YouTube nanga na Xtian Schengen donc Xtian Schengen bah on a déjà single na bango lolemo
Donc cette fois-ci tu vas être au bin, il faut mon, beau tal là, beau juger qualité à clip, qualité à image et tout. Donc beau comprendre à peu près Nzelani tokei quoi. Donc yé man le bin ande betande. Vraiment. Yana et wa nego zangate. Voilà, merci beaucoup et à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre à ces instants. Oui bah que nettoyer bah sujet sensible, il faut tout sur la parce que tout le monde va les belles que la musique et ça, la partie grande en tout cas qui occupe notre culture, donc Bélé va comprendre des gens. Bon, on va comprendre quand nous parlons de la sculpture, on a repris une moitié du Congo, quand nous parlons de la photographie, quand nous parlons du filmage et autres, surtout Tangi, ma grand, lobby ça, Moussa Lewana, Bélé va y barabangoter. Mais soit toute une culture, on a regardé, c'est pour la musique. C'est pourquoi nous sommes derrière la musique. C'est vrai, derrière la culture en général, mais puisque la musique est sur la grande partie, c'est pourquoi Tosana Simanango et nous voulons que les choses, en tout cas, changent un tout petit peu, raison pour laquelle Tosana est toujours derrière moi. Alors, je veux juste vous parler de ce que nous appelons la vente digitale. Et en ce qui concerne la vente plutôt digitale à travers le spot. Spotify, comme on l'a toujours dit, et je crois que ça manque et ben explication te reçoit ah oh et le quoi permettra que ben vanter ça parce qu'il y a mon des appels à la une Mikolo, il y a mon des ce qui artiste a chez le quoi Tekami donc Etalemi Etekami et ça permettre que Etalema mon qui m'ont alors aujourd'hui dans les quatre émissions d'Abisso Tulbaki Tokenda Pena na source yaba makambango et puisque nous allons parler sur cette vente en ligne, une vente Ezo permettre la vente digitale et puis en ligne Ezo permettre que musique nabiso to akweba évolution en haut et puisque bah et si kato bah support et permettre la vente en haut ça le mise belé mais l'auto cible qui précisément en tout cas et puis spécialement Spotify donc Spotify Oyo tu es bien Ezo battre son plein en haut pendant déjà que ceux qui m'ont toi tielo konege telemi et tekami. Pour comprendre que Moutoua n'a pas la malade pour ne pas parler des autres, mais nous parlons tout simplement de cette vente en ligne, comme nous venons de le dire, en tout cas à travers Spotify. Alors, les artistes africains, musiciens africains, Oyo, Bazako battre plein na bango, na Nzela Owane ya koteka, et toi ya kotali sabanzembu. Spotify, nous allons commencer par Techno. Techno, qui est un artiste nigérien. Et déjà, na moi, moyenne na ils a 1 096 978. Donc ça dit 1 096 978. Toleki na bel na boy. 4 713 978. Wizkid. 4 463 098. M, en fait, Monsieur Easy, MR Easy, c'est ce qu'on a écrit, Mr. Easy, voilà, in English, 4 616 648. Malik Berry, 1 326 344. Davido, 2 569 804. Fabregas, le métier noir, 21 076. Inosbi 41 352. Nous parlons de la moyenne, hein? Moyenne à moi. C'est le Oscram 2154. Papa chéri El Salvatore de la Patria Jibem Piana 9 647. Gaz Mawete 18 037. Mokua Bongo, Félix Oise, quoi. 10 617. Robinho Mundibu, 22 051. De la jungle, Igwe, Wiranson, 23 518. Déplic Pomba Nuance, 1880. Fali Ipupa, dit Cap, la merveille. Elle Cap de le tuti, Nengeto, Messana Kouloba. Donc, le L professeur. 267 284. Héritier Watanabe Motonan Tembe 13 408. Ferregola Jésus de Nuance 34 355. Et je pense que la liste elle est longue, mais pour l'instant
tozu nan owana et ah bande qu'on a biso baza bande qu'on a biso baza qu'on évolue en Europe, c'est-à-dire le Congolais qui évolue au niveau de l'Europe diaspora, voilà, qui évolue en Europe. Nous avons Maître Gims Dandy, pour ceux qui le connaissent personnellement comme ça, mais du moins Maître Gims parce que c'est notre star. 5 894 410. Dadju, qui est son petit frère. 2 362 242. Que Black. Bon, on les met sur la liste des Congolais. Oui. Voilà. 1 072 461. Naza. 906 518. Hiro Lecoq. 44 183. Youssoufa, les penseurs, 516 932. Bien, on reste d'abord là, avant que tu sois à côté, monsieur, mais du moins, tant que tu mets les solo, tant que tu fais une brèche, Oyo, et permettre Bissot, tant que tu as le nom des artistes, en tout cas, Oyo, na Spotify, na vente, na vente, en ligne où ils ont permettre que Bandego batte qu'elle est sous tout le qui t'ont ciblé spécialement Spotify parce que yango ils ont battre un peu son plan sur bah Nzelanyo souhait permettre que bah vanter Salema n'importe où tu le bas. Mais avant que toi comme Akuna, nous allons d'abord parler parce que ça serait méchant de notre part celui tout le Beli Marambo Italie et cet artiste congolais qui fait parler de la révolution du Congo partout dans le monde entier et te rappeler les sous-bateaux bazar au Talabiso parce qu'il y a de ceux qui pensent que Maître Gims est un Français, il y a de ceux qui pensent que Maître Gims est un Marocain, il y a de ceux qui pensent que Maître Gims, je ne sais moi et de quelle nationalité, mais du moins aujourd'hui nous affirmons à toutes ces personnes en tout cas qui vont suivre cette émission, que Maître Gims c'est un Congolais, il continue toujours à voyager avec le passeport congolais, seulement peut-être à cause de la résidence marocaine, avant que tout banda, ah mais du moins c'est un Congolais. Aza d'ailleurs, on a passeport ébélé parce qu'il voyage au nom d'un Congolais, au nom de la République démocratique du Congo, toujours dans le cadre de faire parler notre pays à l'extérieur, qui venait de livrer un grand concert au Stade de France. Et c'était un concert, en tout cas, inédit, que nous allons commenter tout à l'heure, parce que c'est la fierté de la République démocratique du Congo, comme lui-même l'a dit, que c'est un Congolais à Koma, clandestinement Eskazali, mais du moins pour le Congo, il est en train de faire parler notre pays. C'est une victoire de la République démocratique du Congo. Alors, puisque nous avons cet artiste sur ces plateaux, Christian Schengen, donc Sian Schengen, avec nous, rebonjour. Et qu'est-ce que tu en dis d'abord par rapport à la prestation de Maître Gims et à l'obilisou que c'est pour. C'est une victoire de la République démocratique du Congo, donc une victoire congolaise. Ouais, merci Killer. Vraiment, rebonjour encore une fois. Donc... moi, je ne peux que l'applaudir. Déjà, premièrement, parce que quoi arriver. Moi, on m'appelait le jour où Bando Beta concert. Cédric Mupemba, Bona Mabiala, Bazayana Paris, Rachel Moli Falleranca, Bazayana Paris, Babenga, Babisinga, Nzele Zati. Donc, bisous de Yébango, ampleur y a eloko en Europe tant aux circulations comme à très difficile ou comprendre que coin moro boy est quand même bateau bavant en Europe bayebi tant de betara zenith na 2009 na vieux quadra et ça sera très difficile pour nobi mananzela parce que kasav no beta jour on a to beta jour mon a kasav il y a no beta pena kasav ba no beta na stade de France il fallait au monde nzela ou nzela plutôt que na métro parce qu'il y avait pas de route et hier, c'était encore plus grave. Enfin, le week-end passé, c'était encore plus grave. Je dirais bravo l'artiste, bravo à Gims, parce que arriver pour Nokoma en tant que Congolais, vous savez, vivre dans un autre pays et avoir une autre nationalité et surtout avoir une peau noire et arriver à faire des merveilles, parce que là, c'est toute la France qui avait les yeux braqués sur lui. Écoute, c'est ça le rôle là, Jumuro Boué, à Malien, tout le monde les mots. Moi, quand des choses arabes, monde les mots, à français, c'est quoi? À Betty concert, un stade des martyrs plein à danger. Et vous imaginez niveau, c'est quoi? Que si c'était bah Macambou, que ce soit un gouvernement, que ce soit puis bah tout, mais ce gars-là, c'est qui? Tu vois? Et surtout qu'il détient un passeport congolais.
Donc je pense qu'ils ont honneur na fierté parce que na minute on a pas tout temps bah tout normal non c'est un Congolais c'est Gims. Tambalo kabalande la boisa na Congo ou tana Kinshasa et tout. C'est quelque chose à féliciter et moi je dis en tout cas félicitations encore une fois. Eza Congo nim tezo gagné et j'aimerais que tous ala na mouté ma malame biso na Congo ya ko zala en mesure ya ko récompenser tout ya ko attirer peut que vous avez expertise et ben expertise et pas un artiste y a n'importe pour aider Bissau na Congo tout le bas kana musika mais il faut que ce soit un truc qui pourrait nous aider nous tous les artistes tous les arts na Congo pour aider Bissau tout y est comment est-ce que le Congo est vu à l'extérieur pourquoi il a eu à faire parce que c'était pas j'ai vu la vidéo c'était pas que des noirs c'était des blancs c'était toutes les communautés où ils arrivent en France et même en dehors de la France donc c'est presque toute l'Europe qui était mobilisée et puis en plus c'était à guichet fermé et j'ai vu le trailer Babanego Lekisa mais attends plus de 72 000 personnes donc je pense que c'est quelque chose qui je pense que c'est quelque chose de bien à essayer à encourager vraiment moi je encore une fois je lui présente mes félicitations qui viennent sincèrement de mon cœur. Il a fait l'honneur de la RDC. Big up bro. Ça te fera quoi avant que Vincent Chivis n'ait pas le micro? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as auditionné un dernier message venant de lui disant que il accepte qu'il est congolais et puis il dit que cette victoire n'est pas pour lui, mais c'est une victoire qui est congolaise et donc il accepte. Et il dit que c'est pour le Congo, cette victoire. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça normal. J'ai trouvé ça normal parce que c'est un Congolais, parce que c'était pas un mensonge. C'est vrai, c'est un Congolais. Il fait l'honneur et la fierté du Congo. C'est que nous, les Congolais, qui pensons qu'il ne fait pas la fierté du Congo, parce que lui-même, personnellement, il a dit la vérité, parce que c'est comme ça. C'est écrit noir sur blanc. Il a un passeport bleu congolais. Il va à l'ambassade de la RDC pour récupérer son passeport. Et c'est comme ça. Moi, j'ai trouvé ça normal. J'ai, encore une fois, comme j'ai dit, je l'applaudis parce que c'est quelque chose de grand. Mais seulement, il faut reconnaître que arriver à ce niveau-là et arriver à faire des histoires pareilles, mais avoir toujours les deux pieds sur terre et dire que je le fais pour l'honneur de mon pays, le Congo, ça c'est quelque chose aussi à féliciter. Mais c'est normal parce qu'il dit la vérité. Voilà, merci beaucoup. Alors Vincent Chivis, je parie que nous avons tous suivi Maître Gims et puis Naruta, la Maître Gims, tout à l'heure on connaît et puis on a vite compris ce que c'est Maître Gims. Sa grandeur, sa valeur, que beaucoup de gens, Tamsou Bandego, sous-estimaient. Et puis, il y a eu aussi des comparaisons à un certain moment, parce que pour un retournement de la République du Congo, nous voyageons difficilement. Et le fait de ne pas sortir, au moins, les Camerounais, c'est une histoire fausse, mais tellement que tu n'avais pas été, tu n'avais pas été. Mais aujourd'hui, au vu aussi de tout le monde est grandeur, il y a Maître Gims. Et en dehors, il y a grandeur à Maître Gims, il avoue. Et il n'a pas honte de brandir les drapeaux de la République démocratique du Congo, chose que beaucoup d'artistes ne font pas et qui ne veulent pas même pas propulser notre culture. En tout cas, moi personnellement, je commence d'abord à dire merci na mundele wana oya boyara maître Gims ça roma français. Je vois aussi que d'ailleurs ça demande officiel roma français donc que Dieu le bénisse. Donc ça me pena pambola joana pour na jour pena décision joaka, ils avaient pena décision moro ils avaient pour na lukumu wa Congo. Et aujourd'hui, laisse-moi vous dire, moi je suis dans le tribunal, on tourne en rouleau, vérité. Depuis musique ya Congo et Banda, si Lelo, si on doit dire que Lelo, Moutoazo détenu batteur à commandement musique ya Congo, c'est Maître Gims. Je le dis avec de preuves. Et preuves, nous avons aussi été, 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 nous avons aussi été. Donc Lelo, moi c'est une fierté pour nous, étant que Congolais, comme on a que. Balobi aza première bon bazo ba première rappeur c'est vrai qu'il n'est pas rappeur mais ba chega la chega la rappeur qu'il est le premier rappeur d'abord à remplir Stade de France. Et puis j'ajouterai il est le premier noir au atikalina histoire au remplir Stade de France et puis il est le premier congolais
C'est-à-dire, j'ai place au scope, biso va commander tous à fier naï. Et je salue la réaction y a artiste musicien à biso au namoni va poster dans ma page d'abord. Je cite Ferregola, je cite Héritier Watanabe, je cite Célio Scram et tant d'autres peut-être namonité. En tout cas, ça c'est comme ça que les Congolais photo réagissent. Tango, ils ont macambu ya Congo. Tango, ils ont macambu Congo. Il faut tout le monde avoir réaction puis artiste musicien à biso. Et aujourd'hui, personne ne va me contredire que Lelo Maître Gims a réalisé au nano, ba musicien congolais mokoté a réalisé en termes y a vente, en termes y a production, parce que ba bloc wana ya sali wana tolobite ya kangi porte, mais a nenge kofia lo bara suivez les guides, en tout cas suivez les guides na biso na mito ba tutu nenge de Christian Chengana to lo ba tout à l'heure là que il faut total yango ba musicien faut ba tala yango na lisu moko boye que et là, on dit que tu as un garçon. Parce que Maître Gims, contrairement à Balo Baro, il y a un avantage pour votre maman, pour ton papa. C'est un garçon qui a galéré. J'ai suivi son documentaire, Jouana. A Botama Pena, pour ton papa, il y a un kin. Il y a un poto, il y a un clandestin, il y a un débat, il y a un robot. Il y a un clip. Il y a un clip. Peut-être que tu as un clip. Il fallait à ça là. Na et ba fali ba bazaka ba tebele ba papa wemba elomo asala ya kini boy ba somo no babora na suka boy Maître Gims ngala so munika na clip wana un jeune mo ala tika chapeau kana linette na ayemba ko tudé et puis ba ba kipe te ba wala ko tava ba section de soane banda ça dit l'été là ozo sentir que aouti ana parcours donc to lo ba te ko te ba to kini ne ba galera tete Maître Gims a galéré a jui azana parcours mo boy et lelo ba jeune au bazoya lelo ils ont exemple à copier Maître Gims a finga mututé Maître Gims a rivalisé na mututé Maître Gims a sa concurrence na mututé Maître Gims a mis sa place moro boité mais mukili lelo tu comprendre que il est en train de faire la fierté de la musique congolaise parce que c'est un congolais na moni quatre passeports na ninga changera et lelo on est fier de lui et on dit bravo à l'artiste. Voilà. Merci beaucoup, on dit bravo à l'artiste. On nous restons toujours hein, artistiquement parlant, parce qu'ici, je prends Vincent Tulis comme étant un analyste, mais de l'autre côté, je prends Christian Chenguet parce que par ses arguments, j'aime sa partie artistique, en tout cas, c'est une partie qui me plaît le plus. Et nous avions vu la réaction des artistes, musiciens congolais, bah, réagir. Bah, artiste Nabisu, entre autres, Ferregola, Héritier Watanabe plutôt. Et les autres, je ne veux pas susciter une polémique dans les Kambopo, tout ça pour la polémique, on est là en train de parler. Est-ce que tu trouves que l'idée, elle est bonne? Elle est bonne à chaque fois soit tout le monde prester pour l'honneur, il y a République démocratique du Congo, pour qu'on pousse à sous musique, ou les amis, ça, Bino, Liboso, l'idée, elle est bonne? Et s'il faudra la faire à chaque fois poster, soit tout le monde, c'est elle qui va bien pour la République démocratique du Congo, il ne faut pas ça, là, on est. Non, mais il faut d'abord comprendre les réseaux sociaux, ça, on est. C'est de dire à haute voix ce que tu penses et d'atteindre un plus grand nombre en même temps. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui, moi, j'ai dit que félicitations à Maître Gims pour ce qu'il a fait, il a honoré la RDC. Je lui ai dit maintenant, à travers la voix du peuple, on va atteindre un plus grand nombre. Mais si sur mon compte ou sur mes comptes, j'ai encore un plus grand nombre des gens qui me suivent, donc, même si j'écrivais ou je faisais une vidéo, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose à encourager. Ça veut dire quoi? Si tu n'arrives même pas seulement, c'est aussi un moyen de faire parvenir à lui-même l'artiste le soutien que nous, autres artistes, nous lui apportons par rapport à ce qu'il a fait. C'est un encouragement. Que non, mon frère, ce que tu as fait, félicitations, va de l'avant. Et ça permet, même si lui ne va pas le voir directement, ça permet aussi à d'autres personnes qui vont voir mon poste, aller lui faire parvenir. Peut-être qu'il a trop des trucs à faire et lui dire, hey, Christian Chengen a écrit, voilà, ça peut être Noli Tambou qui a vu, je salue Noli Tambou de loin, là où il est, ça peut être Noli Tambou qui a vu, il peut signaler, et pas y a vu, Juna Janana, bonjour papa Juna. Donc voilà, donc du coup, ça peut susciter quelque chose, et pas na baron, à mon avis, ah vraiment, tu sais, la meilleure des choses, le meilleur cadeau au Baropé, c'est un moutou. C'est pas seulement le Baropé, c'est un Baboko, mais c'est aussi l'encouragement. Quand vous encouragez quelqu'un, vous lui poussez encore plus loin. Donc, moi, je pense que c'est une belle initiative. Voilà, merci. Alors, on ouvre par Vincent Tulis.
Et je parie comme nous sommes en train d'ouvrir par Vincent, tu lui dis, ah, bientôt sur la tobie, nous serons plus dans la réalité, dans les faits, et puis nous serons plus techniques, dans le cadre de Marambo et Tokoloba. On a déjà félicité Maître Gims et puis tout le bien au nom de la revue numérative du Congo Bissonion sur l'Ansima. Et les artistes musiciens qui, encore jusqu'à la, en fait, qui jusque-là, n'ont encore rien dit, je parie que Baroulouka passe à l'effort, faire parvenir Maître Gims. Bah, félicitations, m'encouragement, ça la paix bien. Mais on revient dans le sujet d'Abisso, Toché, à faire concierge Maître Gims de côté. On revient ici. Déjà, au début de cette émission, naba, et si quand moi, promotion, ça les maramois, Vantaline, ça les maramois, tu cibles qui Spotify. Alors, dans Spotify, on a essayé de citer le nom de. Ça fait toute une panoplie hein, d'artistes et musiciens africains, tant congolais. Mais on a comme l'impression nakin na République du Congo na biso oyo sur le petit solo artiste et musicien moro boy en mal bat ba hôtel et melao. Pourquoi? Parce que tu as toi moins de difficulté à se déplacer, toi on a moins de difficulté, moins d'informations, l'information sous tu sois on a balabala, on commence à voir à l'interne. Est-ce que tu peux imaginer que Baptiste na biso grandeur au bazan nango place au bazan nango na ndenge to tanga ki moyenne ya bateau ba tala ki ba somba pour mon écoute, na ba tubo bango ba chaka na nzela ya Spotify et rose la nette monyona qu'il a qu'il est si première réaction en le bousson en singa. Là je m'adresse à tous nos artistes musiciens à Congo parce que yo beti ma solo ya Spotify, mais moi je te dis que ba mission ba oyo to monyona ba Dadju ba Davido ba Keblack ba techno ba whisky dona so robo tamboli na ba vente digitale ya ba blomba nini ba streaming mususu. C'est-à-dire que le lot, ça fait mal comme on a qui va misser la biso. Marambo est la priorité et la carrière na bango, bazouango, bazouni sans osima. Marambo est inutile qui jale le ya romona que yoza misser, yoza danger yo, ba momi balandara yo yo, ce qui n'y soit ni yo ba misser, soit bimisa liboso. C'est honteux. Lelo mon frère, le problème est que ba mission so faut pas comprendre que lelo na mon na ba mission so les gars dans la TV oh tous autres fonctionnaient pour ba producteur bazate papa mukola lelo musique lelo za sous musique à producteur té musique lelo za musique ya vente digitale oh OK au tient ba plateforme internet na yo ba Spotify ba blog tout za 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 wa aux oteka yebisanga mu droit whisky par exemple azana moyenne ya 2 millions et quelques personne au bayoka kina moi na ba tube na tout ça na spot là béton score fois dollar tam sou fois 1 dollar parce que net au ezako koti oyoki okoki ko télécharger mais okoki ko zo ngote kené na télécharger na tiné luninga deza da mon mania mo zo empêcher non pirater mais ça dit moto yo azu yoki nze mona yo na kat sa spot ya spotify wana aza obligé ya oyoka onga yemo da routine la yoti. Aux hommes là qui ils ont facilité nos musiciens à gagner, surtout bêtement au fois dollar, parce qu'on les a pas moins, mais ça là bas nous souvent là bas, na moins non moins là bas tu nous sommes là bas 100 millions, on a repéré des exemples Maître Gims, alors nous sommes moins là Maître Gims moins les a 5 millions, mais là bas nous sommes na moins bêta à comment là bas 100 millions, vous allez comprendre. Donc pour dire que les lobes musiciens là bas sont dans le bas que et ça Sony, comment là que Marambutu, bah ma quelle est tout au vers au tard à la télévision. Place où il faut pas concentrer public, il va concentrer public. Quand je parlais de lycée public, il y a un public qui est en il faut battre dans le bango, il faut battre dans le kota, il faut battre dans le kuna. Au lieu de lycée public, il faut battre dans le venir. Azo kumisara yo ke yo za danger ke yo za songi obila onota nga bangwana na nga mabete tanga otanga o kingani kingano zo te sobikene mpanzi na o sekalam te nga bisko ba sobrika minene minene tu ba mi pesa wana o moni ke seni et là li pour dire que ba mission na biso qui se concentre na maramba isa na o ranti ba whisky imagine ba sala ba Davido na imagine ba sa ba 2 millions et ça ke ba za concentre na boulot na bango. Bazo inciter ba tina ba page ba internet ba Facebook ba Instagram ezani inciter ba tout bo travailler de façon que public ou na bolobo na Congo connexions à la rate mais bobi combien de Congolais baza répandu dans le monde o baza libanda o baza la moyenne au so ya baza na ba carte dans ba condition na tout ba koyoka banze mon abino papa musique lelo za musique obé la hote producteur la rasoute te musique lelo toi même tu peux te vendre na ba bloc wana pe cotiser ba millions de bandeau musu ba cotiser la moyenne ya musicien na biso so tali moyenne ya musique à Congo
moyenne na biso na biba congolais o yakine o to tangi moyenne na bango je pense pas que ça 50 moyenne goza ba 50,000 mais so tali na ngamwa Nigeria moyenne na bango goza 1 million tano eka ozu ba congolais na biso oyo to baza libana na diaspora ba daju ba maître Gims moyenne na bango goza pe ba 1 million to ba 2 million suko to compone biso moko musique ko ba mikuba o ba misa so ba mikumisa na nenga kin ke no lobia ke to voyage raté to ba maramuté pendant que bazo ko sa ba congolais na kin ke to danger libanda alors que ba prévient de l'accès que ba misa na biso baza concentré plus na mboze zangati na donc bazo ngana nzela ba conscientiser ba fan na bango de façon que les ba misa ba nzembo wana parce que bango ba vivre na musique. Bango ba vivre até ka sale mission moko bo ya sale 50,000 60 100,000 vie. Té bango cop na bango na nous soka le gana na mission na biso ezapo a motiver ba fan na ye ba kote na ba plateforme wana tout tout tanga tanga ba kende ko somba musique na bango po ba kote se loko. Parce que le lo muto bi masuta ke somba CD na la muleto ay no somba CD pa ya Joe akoma produza Kofi ba bundara ne nani. Diego musique. Ah OK, sous kuna télé tout se passe na niveau il y a numérique, na niveau il y a télé, il y a internet. Alors muto yo musique na ye place nini na inter place d'autre que déjà ba ndo musu ba 2 millions papa beta ngo fa dollar. Na ebite sur combien a gagné. Solo ngi ben pour na limiter gazala a gagné pas moins de 1 million. Siko biso ba musique na biso ezara ra ki jale le ya Congo, au mona ra ye ba vie mani tout ça ba ni mais place ma rambo ezo bunda maruna tout ça ti donc bala mou. Voilà, merci beaucoup. C'était Vincent Chiluz et on revient encore et pas à Christian Schengen parce que Christian Schengen il est à la fois analyste et aussi un artiste et musicien vu que Azo vivre un peu Makambouango et le roi Azo vivre Christian Schengen au début déjà de cette émission toi qui nous n'a plateau quoi n'a pas plateforme on a tout cible qui plateforme Moko et pas il puis bah avant tango et ça les mara n'endigo de route que Spotify et Oyoki moyenne il y a artiste et musicien Abisso et puis occupé moyenne bande comme sous yo en tant qu'artiste. Mais impression des anonymes par rapport. Ouais, merci. Et puis merci à Vincent Chiluzi pour le conseil. Après, c'est artiste. D'abord, boutique, là, on a tant qu'il faut passer quelques minutes. Premièrement, nous sommes en train de citer Spotify, Lelo, parce que ils ont l'une des plateformes aussi blées. Mais la plateforme est belée. La plateforme on a les anini oh dans mon normalement on a les lobes de Valéki disait mon abus aux obis mais on a la plateforme et on se tue à téléchargement c'est quoi au fait la plateforme ils ont des cas là des Vincent Otaoloba bah la moule bah Ndiaye bah Diego musique et autres distribution vente physique et ça les m'a assouté mais on se tue comme virtuel. Alors, si vous en avez besoin, Royo Kanzembo, et comment très difficile que Mouto a se déplacer pour qu'il n'ait pas de na supermarché et tout na des tous na Fnac na Virgin et tout et comment très difficile que Mouto qui ne pas soit en aya qui ne na a préféré ayo kana on a téléphone na au jour d'aujourd'hui Mouto nion surtout na kati ya ya planning na yé ou ya vie ya ba dépense na atiaka aza ape na smartphone pour ayé ba comment ko utiliser Facebook et autres entre autres pé ba applications parce que ce sont des plateformes qui ont été transformées en applications. Donc sous un on a téléphone na yo c'est plus facile pour télécharger la musique. Alors na chaque plateforme parce que ils est belé ba Tidal les a Tidal il y a Jay-Z ba iTunes les a ba Deezer les a ba Amazon les a li ba Virgin les a ils est belé comme quand tu zala kala na ba boutique ya ba maison de vente de disques ndenge zala ka les lope comment est belé mais seulement il y a des ceux là au bazarande balobara dans la vie ils a toujours na ba meilleur non donc ils a. Donc, il y a des ceux-là au bazar un peu plus en avant. Donc, ce Moutazan a besoin qu'il est directement à Betty, à Oyeba, où ils ont été dans Moutou, Liboso. Donc, mingi mes collègues à Tidal, et à Spotify, et n'ingé au côté Spotify, et l'autre qui est dans nous. Le plus grand problème, au bisou de Koto arriva, à comprendre, je vais expliquer maintenant ça à Vincent par rapport à conseil NAPC, pourquoi tout arrivé au Komate. Ce sont les mentalités au Tozalaranango. Notre seul problème, c'est quoi? Tu as la musique en Ponanini. Ça, c'est la première des questions qu'il faut poser aux gens. Pourquoi tu es devenu musicien? Pourquoi tu es musicien? La plupart sont tous nés, peut-être par horoscope, ou à l'inga, comme on l'inga, chéri, belé, peut-être pour venir, peut-être, et ainsi de suite. Donc, dans la suite logique de choses, tu verras que la plupart, il y a pour nous la musique. Mais pourtant, la musique, la culture d'abord en général, est un instrument vecteur.
y a un message et producteur, il y a Mbongo et Bélé. De plus, tu es dans un pays où il y a plus de population, de plus, tu as des chances de gagner beaucoup d'argent. Une anecdote. Tous en Akati à Kinshasa, les loyaux, na RDC ya Pamba, RDC kayango moko pour na batu au bazar na kati ya RDC, pas ceux de la diaspora, que na RDC. Tous en a plus ou moins, tous qui n'ont pas 100 millions d'habitants. Donc déjà, pour quelqu'un au Asalara, au Asak, Asalara, c'est un gars du commercial ou un gars en marketing ou un businessman. Quand tu lui parles déjà d'un grand nombre de gens, lui voit comment est-ce qu'il peut transformer Batouana en argent. Donc ça veut dire sur les 100 millions d'habitants, s'il arrivait à mettre même un, à soutirer même un dollar de ces gens-là, pas d'une manière malhonnête, mais d'une manière honnête, s'il arrivait à soutirer même un dollar de tout ce monde-là, il a 100 millions de dollars. J'ai dit par personne. Alors, mais ce artiste et musicien, qu'est-ce qu'on a? On a ces publics-là. C'est eux qui sont en train de se faire frapper la porte. Mais il faut maintenant faire un effort que, et comme si on est en train de se faire, il faut qu'ils puissent soutirer quand même, il faut qu'ils puissent donner quand même quelque chose. Tout le monde a éthique et gratuité. Et bien, nous sommes en train de se soutenir. Mais en soutenir, il y a des gens qui ont été en train de se faire, des gens qui ont été en train de se faire, quelque chose et tout. Abimisi, sans APCO. Alors, on a courage à se masser des noms, ni pour se lier déjà. Ou y lier, on a peut-être un argot ça, non, argot sombela, au guitare, argot sombela, le roman quoi, tu vois. Et ça, c'est à peu près ce point où on a 100 millions d'habitants. La ville de Kinshasa seulement, nous sommes à plus ou moins 12 à 15 millions d'habitants. Donc, ce que Jomoro Boye a sa succès à Kinshasa Pamba, quand à Kinpamba, et que tu arrives qu'au canaliser. Ça veut dire que le plus grand problème, c'est de canaliser les ressources, les sources des revenus. Et Kotaka. Donc, tu tiens en haut, tu canalises en haut, tu places mon haut. Donc, le gars, il n'aura plus à aller commander de l'argent. À quoi s'organiser de façon à ce que Alinga Beta concert amené Net Gim Saouti au Beta. Ce sont des concerts où il y a un budget, 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 il y a un. Parce que j'ai vu, ils avaient plus de 20 caméras, j'ai dit bien, plus de 20 caméras, sur les 72 000 personnes, plus de 4 tonnes de matos, bah, lumière, écoute, n'en parlons pas, j'ai dit bien 4 tonnes de matos, vous allez comprendre. Donc ça c'est un grand projet qui a peut-être coûté peut-être 2 à 3 millions de dollars, cap au bas salon. En tout cas, selon l'expérience d'Angaï, c'est entre 2 à 3 millions de dollars pour qu'on ait un concert. Maintenant, il faut te dire maintenant, bah, zone ici combien? Parce que si vous dépensez 2 à 3 millions de dollars, d'accord? Vous avez dépensé 2 à 3 millions de dollars. Le billet n'était pas à moins de 35 euros. Hein. Maintenant, fais les 35 euros fois 1000 personnes, fois 10 000, pour nous commander 72 000. Et ça, c'est maintenant les billets normaux. Et bah, billets, si vous avez un VIP. En dehors de cela, il y a toute une machine. Les gens ont un t-shirt, un nini, un bilo. Fais maintenant le calcul. Il a gagné combien. Mais il faut maintenant savoir que ce n'est pas lui qui a gagné cet argent-là. C'est l'entreprise, parce que c'est pas lui-même qui a sorti cet argent-là pour se produire. Normalement, Aro Bimisa une partie de l'argent, mais ce sont les sponsors, ni Moutouba Sangani, parce qu'ils savent que avec cet artiste, on aura le public. Quand on a le public, on a l'argent, on a tout ça en même temps. Donc, Bimisa Skombongo, il y a 4 millions d'abonnés. Et quand c'est Rebetami, et si il a déjà son argent, il s'est déjà tiré l'argent. Et ça, le roi de Rebeta. Mettons vos becs à concert et bêta. Ces gens-là ne vont perdre un pas l'artiste parce qu'il a déjà son argent. Parce que dans les contrats, c'est stipulé que dans les contrats professionnels des artistes, c'est stipulé qu'un artiste ne peut pas se déplacer de là où il est jusqu'à ce qu'il ne place concert et Zali sans pour autant à toucher 70%, ou bien comme on dit en français, 70%, il y a caché Naé. Donc, ceux qui ont 1000 dollars, donc il faut payer évidemment 700 dollars. Donc, ceux qui ont 700 dollars, Naé a commis. Puis nous, on va boycotter concert. C'est fini. C'est pas lui qui perd. Ce sont ceux-là qui vont perdre. Tu vois? Donc, c'était une parenthèse pour dire que il y a
beaucoup d'argent. Alors, beaucoup d'argent. Mais seulement, le problème qu'on a, ce sont les mentalités. Parce que bison est aux aboués. Il est bizarre. Au moment où il va tenir surtout Tangi va combo A. Dans la zone quand on est autant va combo nous ce tour là. Au Tangi Gims. Comment on aime sous ces années. Tout un combo à combo artiste. Non. Tangi a parlé artiste. Non non non. Combo artiste. Kamaitre Gims. Kamaitre Gims. Dadju. Dadju Kout. Hiro. Hiro Kak à l'école. Naza. Naza Kak. Que Black. Que Black. Yaras que pas bison. Banda. Du Cap la Merveille, El Cap, El Professeur. Nanizu. Montona Tembéry, Tse Watanabe, Gogan. Nanizu. Férégola, Jésus de Nuance et Padre. C'est Moto Yayam. Moto Yayam. T'es qu'est-ce que c'est quoi? Monstre Mkou à Bongo. Est-ce grave? Nanizu. Vas-y, Gabele, vas-y, Gabele. Voilà. Voilà. Et puis, bah, Kombango. Fabro. Et puis, bah, Kombango. Et c'était bah, Kombango, ils allaient à Netske, par exemple. Netske, par exemple. Christian Schengen, les bonbons des bébés. Par exemple, moi, il est au moins, soft. Hein. Christian Schengen, les bonbons des bébés. Non, puis tu as la loi à catcher. Tu as The Rock. Les magnificents d'Inden. Les motos des meux. Les... Non, mais attends, on se fie trop sur des futilités, Au lieu, il y a Rokotana, Oyeza, Penza, Moussa, yo. Parce que c'est le travail qui va te payer. Ce n'est pas le nom. Vu la bizarre, comment on est à Kaka, Lokwa Kanza. Lokwa Kanza. À l'année, c'est Lokwa Kanza, elle, chanteur, de guitariste. De... Non. Anika Lokwa Kanza. Bah, oh, nous sommes tous les gens qui ont été Beyoncé. Jay-Z. Jay-Z. Bango Nyons. 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 Bango Pour au moni, on peut bien se le dire. Au moni, bah nombre, il y a chiffres au tangi. Il faut dire la vérité que ce sont des chiffres des gens qui visitent ton compte d'artiste chaque mois régulièrement. Donc régulièrement chaque mois, tu as 5 millions. Plus ou moins. 5 plus ou moins 5 millions. Par rapport à Gims, par exemple, Togen à Gims, il a plus ou moins 5 millions. Donc ces gens-là, les plus ou moins 5 millions. Donc chaque jour, ils écoutent Gims. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent telle chanson. À chaque fois qu'ils écoutent les chansons, bah, nombre pays, il y a audition. Il y a Nze Mouzo Mata. Donc, ça veut dire, ceux qui va yokie 3000 fois et Matissier 4000 fois. C'est pour ça qu'il y a des chanteuses comme on a 180 millions. Vous en comprenez? Ne Ed Sheeran, comme on a 2 milliards. Vous en comprenez? 2 milliards d'écoutes. Mais Bissot, pour nous, autant on a comme moi, un milliard tous ans, musique, parce qu'on n'a pas encore d'industrie musicale dans ces pays. Parce que les pratiquants, il y a musique, nous va arriver à comprendre quel est le secret pour essayer de se soutirer de l'argent pour éviter Makamouya au Senga Senga, pour éviter Makamouya Yako Souana Souanezana Tinate, parce que même à Tana Souanissio, en fin de compte, on a gagné Nin. N'a gagné dans les lots. Et pour moi, un artiste, je suis allé dans la télévision, je suis allé dans la danger, je suis musique à Congo. Musique à Congo, et je suis allé. Écoute, les gars comme les Gims, ils viennent te faire un concert avec un t-shirt, ceux qui a 2-3 euros, ils s'en foutent. C'est pas qu'il n'a pas d'argent pour nos somba veste à chair. C'est seulement que Bissot Kota plus. Il faut que bien. Mais le talent, on a négligé cette partie-là du talent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle, tout ce qu'on vient de parler là, c'est ce qu'on appelle le e-marketing. Donc, marketing, quand les alagis marketing, il y a de bouche à l'oreille. Au concert, il y a des gens qui ont un château rouge, il y a des gens qui ont des rôles, il y a des gens qui ont des rôles. Mais moi, c'est Sicile déjà. Et comme il est là, parce que Gims a vendu au bout de quelques semaines. Je ne sais pas, ce qui une semaine, il a vendu les concerts de son show. Après, deux jours avant le show, a posté affiche Mamoro, plein. Et si, on ne vend plus. Il n'était pas sorti. Azain a besoin de Malimanate. Mais non, il y a toute une équipe qui doit travailler dessus. Il faut avoir des connaisseurs, des gens qui s'y connaissent. Bato va yébiké, Moni Awa.
ah il faut ça là bruit public ou il faut atteindre bon il faut cibler les locaux de comment en et comment en coûte facile et comment moins cher mais bisous à kaka na moi donc voilà on n'arrive pas encore à comprendre ce que c'est que le e-marketing. Voilà, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est le e-marketing. Vincent, tu es, je parie que on revient encore chez toi parce que à toi sur la tobie zapna marambo ça pour l'intérêt la bisous parce que mon colo oyo qui le fure que ça arrêtait. Il y a que na Christian Schengen na yonanga musa lesil photo le velo musu tout ça parce qu'on est derrière cette culture, on est vraiment censé propulser la culture qui est dans les bosso. Alors ning aux hôtels en partant regard ning aux hôtels à ces artistes et musiciens ning aux tali ning de route autant bah vente route que ça les mana e-marketing ning tout zolo bah on a plateforme et sur les lots ciblés plus Spotify ning aux tali ning tout temps artistes et musiciens. Est-ce que tu penses que ce qui t'a musu te chez moi sérieux, tu recoutes en a quoi que t'es pour que toi arrives à payer au tech bah millions d'euros tout ça côté là. Alors, de par le comportement des de nos artistes et musiciens, parce qu'ils nous donnent l'impression il y a Rosala déjà au dessus il y a Mélé, mais du moins il y a autre chose on était sur le terrain. Mais néanmoins moins au Kindela à l'interne. Alors, tu penses que et qu'on paye sa baby sur ma cambo dans le jeu ça. Moni kala 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 Ezala qui là au qui cherche si a chingé dans tout le bas. Alors, quand les amis vont miser sur baké poto, faut poser la Zakari Baba sur la pourquoi. Serge Kayembe, il y a un musicien qui est pour qu'il y évolué, il y a concert, tout ça. Mais le qui danger un musicien, c'est ce que tu as un musicien danger bon. C'est-à-dire un musicien qui est pour tout le monde, il y a un musicien allemand, il y a un Belgique, il y a un musicien qui est pour tout le monde, il y a un télé, il y a un gars, il y a un musicien. Ah, déjà, c'est bon. Vous comprenez, mais le lot, c'est comme musique, il y a une dimension, il y a e-marketing, c'est-à-dire que le lot, Internet, c'est un musicien, il y a un musicien, ce n'est plus important. Les musiciens vont aller dans la télévision pour se faire danger. Dans le monde, ils sont tous les gens qui ont été en train de se faire. Vous comprenez? Dans le lot, moi je dis que ce n'est pas les talents qui manquent à nos artistes. Nos artistes en mission sont des artistes très talentueux. Tout ça, les musiciens sont tous les gens qui ont été en train de se faire guitare. Tout ça, les musiciens sont tous les gens qui ont été en train de se faire. Tous les potentialités des musiciens sont tous les gens qui ont été. Mais le problème c'est que les musiciens abuso baso d'ingater qu'on comprendre qu'on s'adapter na système à camder écouter les lots. Les lots au moins un musicien mis album, n'importe quel musicien moi, un musicien moi autre mis album caraming tard. Na côté na voiture moro boy, na oyo rendez banzé moné na oh na tout ni type pour chauffer abis oh oh on dit ma musicien oh ils ont album ni là ils ont oh cas album autre mis colo et oh tu gâte ton musicien oh banzé moi un album pour la première fois na yo kango. Mais au moins, la mission, on est dans la télévision, on explique que nous n'avons pas de danger. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, moi je dis, je demande à nos artistes de mission, les lots, ils ont la mission de préparer l'album. C'est-à-dire, moi je pense que ce n'est pas la mission, c'est vraiment un problème. Je disais que, pour nous, selon la réflexion, on dirait, comment on va se limiter à ce qu'on a dit. C'est-à-dire, si on a 10 000, 15 000 pour nous, il suffit. Or, il oublie que quand on a 15 000, quand on a 15 000, on a 15 000 millions. Donc, tu t'imagines que c'est toute une équipe, tout un arsenal de gens qui travaillent. Donc, community management, ils appellent que Moutbatouna, ou Balandela, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu vas poster? Il faut Olobanini, présence Nayo Lelo, Olobanini. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les gens? Mais biso tokenda on a des biso zonga au monde qui panganga ah ça c'est toi qui au lingue otambula tambula ka lokolo ya gauche kenena lokolo ya droite zonga ka sima kutala sima te linganga kuta ebinete Spotify kutu ezanini ebi mambo na ti le yozana na série ya kala batu bazo avancer déjà yozara wana au téléma oh non il faut kulata mariaka moko na kingo pour ça le yo mwandenge ulati mayaka yo wana obi mauza danger mais kolo yo kombo na yo les mutu de boy yo pe nga komo na nga les mutu de yozo mon dirait ya un danger ozozo nga sima et pourtant les choses avancent, c'est pour ça que eux ils sont en train de s'enrichir parce que surtout ni bango ba ma mon abiso za nga moi ki sia muke moi nini bazana ngote eux ils se focalisent plus ils vont préférer à ça les voyages moko. Il y a deux, trois personnes, ou il y a un artiste qui est sur le podium, mais il y a sept autres personnes. Il y a un manager, agent, un directeur de Nini, directeur technique, surtout réalisateur, c'est notre artiste, c'est notre produit. Il faut tout vendre, et comment est-ce qu'on va le vendre? Il faut réfléchir à la place. Il faut réfléchir au Yemanin, au Binanin, il faut réfléchir à
vous réfléchir ma cambouya musique et vous bête n'engue ni yo moro mtoko misusu bon micolo t'attaquer mutubui micolo c'est comme ça que tu osons assima et puis bah, on va se avancer donc voilà merci voilà on chute avec on chute avec Vincent Chulis ça dit synthèse ma grand tout le bien en résumé moi personnellement si j'ai intéressé en plus pour en rêver parti c'est mission la bisou la sabango que bah perdre bah cible parce que de plus en plus musique n'a de vouloir de perdre bah cible croyant que bah producteur bah c'est un jour à monde échangé les lots vitesse à musique il y a vente échangée forme alors musicien monsieur le lot à monter là haut pauvreté ou musicien bon ils ont sauté musique et baby alors que bah zo boy ané bah zo courante qu'on s'adapter alors que en ce moment au bazar on a besoin d'abord qu'on crée équipe mobile il y a e-marketing et gros ça la bango va avancer rapide va tekebe parce que le lot misa roko teka mbongo a gagné plus que les gars de nenga donc mbongo ba misa va gagner le lot et les mbongo ba misa ba no gagner kalale bazangi na ba producteur parce que le lot ozo gagner plus d'argent rien que na tube mboko na nzembo kaka et ça de teko va dans studio ben ta 18 chansons ba no rota na studio kaka album est mal fin 2019 donc comme il a 2019, t'es quand même un mixage, tu vois qu'on a juillet 2020, tu vois nous opter. Ça dit quand on disait mon mot qu'il y a pas, bah tu peux devenir milliardaire. Alors, bah Michel a bien sûr comprendre que qui jale le lot, coco sa public, ils ont un important t'es que au salon en bas danger t'es le lot internet ayé et tiens ma ramène sur mutakala. Le lot moins tout tangi, ça dit tout tangi, ça t'es que bien sûr tu refondes les bah Michel ma camo, tout tangi ma ramène ça que mutu bien ce soir à côté qu'on a à côté ma ramène tout lobby out. Donc bah Michel a bien sûr bah la muka, bah comprendre que cible la bango. Il y a vente et commis et vente digitale alors va créer bah réseau au ego ça la bon qui va te gamaka là je lance le message de bah misenios mais particulièrement na héritier watana be po yaza na studio de mis album particulièrement na fer ego la poison na studio de mis album na papa chéri j'ai bien piano de mis album oui rançon na de mis album formidable et tous les Félix Oisé quoi donc essayer un peu de comprendre que lelo vous avez sur notre système tout au porte parole moi les relâcher dimanche chaque année pour variété européen ça va programme vous avez maintenant besoin des gens des agents au ya marketing au ba yemi neni ni e marketing et ça pour que boté kama kas ne bande bomsu ba doté ka biso et si on a biso zara ki bozala na top pour biso to le belarabino pour mbo ango to lien la biso ngoté voilà mbo ngoté la biso ngoté alors salutations ah rien c'est bon merci bon c'est quand la babonne sur la voix du peuple alors je crois qu'on va clôturer avec si enchaîner na ngaina soulever le mot tu sous peut-être ba mo cantonné non mais en métal Dubaï on continue ça dit bande ko ba na poso ki ne ya ba na poso ba billet pour ba ki ne Dubaï plutôt visa pour pas de Dubaï toujours continuer au pays ça va aider pour faciliter bah obtention de visa et puis on a besoin de ça bah conteneur na niveau de Dubaï ils allaient mutumo quoi ils ont ça la 20 ou 40 puis toi on a besoin ça la groupage n'hésitez pas de nous contacter le numéro Oyo et on est là toute une équipe les alliés Winner Star Cargo pour ils ont 16 ans d'expérience déjà il y a pas beaucoup à commenter bon contacter Bicho et Bozala satisfait voilà ok merci beaucoup même quand vous passez par moi ne vous en faites pas je vous donnerai voilà. le numéro de Vincent voilà donc je vais vous donner le numéro de Vincent Chilis et vous allez parler avec lui alors pour clôturer ouais ngai na lingindé na lancé message moko pour compléter na lisolo na Bicho na lancé message moni batebele ba utara poto ba yakana kin parce que moni tous ça na ba congolais belé hein ba jeune s'il vous plaît ouais aspect moko lo bagi avant ba émission que ba congolais ba gros appel lo ya bango moko il y a Fontaline on a payé gros appel normalement parce que Spotify ezay ya ba américain Tidal ezay ya ba américain ba kenyan kutu ba bimisa ya bango skiza ba ezay belé en fait ici aussi il y a un frère Narcisse Baya abimisa pay application naïe il y a téléchargement en fait le truc c'est que parce que Bisoto évolue en ordre dispersé et en plus la plupart des musiciens ont payé bah yebi be mamba ngote moni mambo toto so la boue et ba musicien monsieur Kotia et bimia ya quand ça ni mamsu ya quand ça basket ya quand ça mambo na c'est pour ça que je voulais c'est conscient la vie qui va comprendre ce qui vraiment est ça la bien moi je demanderai maintenant parce qu'on a un très grand problème je demanderai maintenant na bande qu'on a sur bord la nation la diaspora que ce soit bah frère ou baluka bazunga il y a un très 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 grand boulot à faire en termes de management na département il y a management il y a artiste bah booker il y a artiste bah agent bah chargé de relations publiques pardon parce que tantôt bah mamou il y a e-marketing et comme ma e-marketing donc c'est marketing électronique. Donc aujourd'hui, nous on se touche, ça se passe sur par les moyens électroniques. Donc aujourd'hui, si on a la facilité
il y a qu'à ouvrir Facebook, WhatsApp et YouTube, bah continuons surtout là. Il faudrait avoir des gens qui connaissent comment les utiliser. Très important. Et il faudrait qu'il y ait des gens qui savent manager toute une équipe. Il y a un moment donné, on a dit qu'il y a des gens qui sont en Europe, où il y a des gens qui vont apprendre à faire. Venez travailler avec les artistes d'ici, les artistes Msoussou. Ba jeune frère rebelle ou na ba jeune sœur rebelle ou ba bimi ou bazana ba talent rebelle bazana besoin bazana encadrer ba kende de l'avant travailler avec eux venez na yebi bazana rebelle ba na Londres na France na Belgique ou ba yebi pendant métier ya management non c'est pour ça j'ai dit ba musicien wa kaka OET mais ba travailler pendant ba jeune frère na ba jeune sœur rebelle puis bazo bima moi le tolo ba na bisonne tolo ba mais dans 2 ans notre jeune frère Inos Bito Betali Solo na ndenge msusu. Là je le dis beaucoup quand la date il y a lelo maintenant le bah je le dis à haute voix lelo le 30 septembre jour on bim sa single na ngol le mon. Bokanga yango que Inos B dans 2 ans to Betali Solo na ndenge msusu parce que je pense qu'il a compris, il a une équipe qui a compris comment est-ce qu'il faut travailler na Mambwana. Et ceux qui a longoli moi babilo kwa mike parce que ça mutu azape na erreur ceux qui a travaillé avancer encore à qu'en encore plus loin je pense qu'il va faire des merveilles. Merci donc, beaucoup. Voilà. Alors quelques noms. Ouais, je profite de l'occasion, je salue aux États-Unis, je salue Laila Kulungu la congolaise en direct de LA, je salue Gustave Kazadi Ilo na LA, je salue Smalto Senga le chef du cartel. Bona Mabia, la ministre d'État, Nasinatanga qui écoute déjà donc le rancard Rachel Moulifa et puis Washington Punga, la personne Motebele. Donc voilà, je salue tous ceux qui ont eu l'occasion de m'écouter aujourd'hui. Donc Makamuto Loto Loba, c'est plutôt pour faire en sorte que tout avance et non tout reculer. Soro Monique, il y a quelque chose, un commentaire ou bien un truc que tu veux laisser par rapport à ça, alors à Batou, on va réfléchir ça. C'est pas seulement important, il y a au fin, pour y avoir danger, ouais, bon, d'accord, au fin, il y a eu, mais ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de chercher à ce que Makamou ait avancé. Parce que si y a admirateur, il y a musique congolaise, tu seras plus sensé, il y a un débat à Boué pour faire avancer la musique. Non, c'est plus facile que qu'il y a na Facebook, XTIAN. S-H-E-N-G-E-N, donc Christian Schengen. Comment Christian Schengen, mais ça c'est lit Christian Schengen. Donc, na Facebook, na réseaux sociaux, nous surtout. Déjà ce soir, on est dans Outigoloba, enfin, au Lélo déjà. Tous êtes déjà dans La Voix du Peuple, tous êtes na single, na clip, ils sont déjà disponibles. L'Olemo, tous êtes na audio, ils sont déjà dans la plateforme, nous surtout. Nous sommes Outigoloba, Awa, Tidal, iTunes, Spotify. Et après, voilà. Donc, vous suivre un appel à YouTube, donc vous abonner à YouTube, XTIANSHEGN. Voilà. Merci beaucoup. C'était là les deux analystes. Et j'ai parlé que tous eux sont moins ouverture d'esprit et puis éclairage. Donc, ça dit cette lumière par rapport à Marambo Otmandek au Sola. Pour ceux qui vont commenter, en tout cas, on est là, on attend vos commentaires. Mais pour ceux-là qui seront contre ce que nous avions pu parler tout au long de cette émission. Merci, cela dépend de vous, mais j'ai parié que et vous permettrez de suivre ma film. Moi, j'ai vu sur mon Congo pour s'en assurer. Moi, aussi, quand vous le capot, film pour mon Congo cheval. Et ça, dans mon point, on a aussi pas cité, mais c'est plutôt le pousser encore de foncer plus loin. Donc, merci à Daryl Diwantes qui était derrière cette caméra. Merci à cette grande personne que je salue parce que elle, c'est la personne la plus sérieuse de nous tous, en tout cas. Par où c'est ça, le caméraman le plus sérieux, il m'a s'occupé avec ta réalisation, marche avec Mbédi, salut de là où tu te trouves. Merci encore à celle qu'on appelle l'italienne la plus suspecte, de toutes les italiennes en tout cas, Mana Love France. Excuse-moi, Killer Killer, si je ne pourrais pas passer cette émission sans pour autant saluer celui qui est derrière la caméra, Daryl Diwantesa, et puis Aline Luntumba. Donc la proprio de Wakanda. Ah, village Wakanda. Aline Lutumba. Alors, je disais, la plus suspecte en tout cas de toutes les Italiennes, Francine Mana, de là où tu te trouves, salut à toi. Et puis merci pour tout. Je dirais encore merci à mon vieux Simon Omiezi depuis la Belgique, Simon Omiezi Venanga. En tout cas, merci encore une fois à vous. Et puis à Hervé Luamba. Hervé Lumas également depuis les États-Unis. Bah, tout le monde, en tout cas, nous sommes là.
n'arrêtez pas de nous écrire, n'arrêtez pas de nous appeler, n'arrêtez pas en tout cas. Il y a repris sa suggestion. Mais ceux qui ont une suggestion positive, tout apport moins positif pour permettre que Moussa Loto Salé qui est dans les bousso, faites-les au Salabiso bien. Abonnez-vous massivement dans la voix du peuple pour seul soutien à Bino pour la mission. Dès qu'on va hésiter, abonnez-vous massivement, en tout cas, abonnez-vous. Mais pour le tout dernier Congolais qui restera en tout cas dans la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, en tout cas, ces derniers Congolais, ce que nous avons pour Congo vraiment, et ça n'a pas poussé à couvrir. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Bye. Vincent, tu lui as dit sur la Samonie. Samonie, c'est très, très, très important pour avoir des retours aux gens à niveau de l'Ibanda à Congo, pour avoir des groupes aux gens à Congo, aux gens à la province. Ça dit Samonie, il veut concerner Bino. Samonie, pourquoi? Parce que tant que vous êtes à l'Ibanda, il y a Kinshasa, il y a bateau aux gens à. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, dans le déco, dans la province, quand vous voyez la Kinshasa, l'objectif est de vous voyez la rencontre. Pour vous atteindre le mot bien, il faut que vous allez si comme la lame, vous voyez la babino. C'est-à-dire qu'il faut avoir la place à vous voir la Kinshasa, pour que vous répondez à votre confort, à votre exigence, pour que vous voyez la lame, pour que vous voyez la lame. Alors, nous sommes la Kinshasa, la Kinshasa, c'est-à-dire que servir Bino Madame Bisso, totalement, vraiment de lier pour découvrir qu'ils ont un espace pour qui Toko, pour découvrir une Bino de l'eau, Flat Hotel Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemelembe, non loin, il y a direction 24, c'est-à-dire, ah, on doit présenter Bino Yamo. Monito Lobarami, Minia, Flat, on a de sa présentation Yamo. C'est-à-dire, pour découvrir Yamo, on a une Bino de l'eau, au total, Flatamo, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont c'est-à-dire, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des problèmes de parking. Donc, nous avons représenté que Flatamo, il y a du bosso, nous avons un parking. Le parking nous permet de mettre des gens et vendre la condition de la lame. Ce que nous avons fait, c'est une réception à Pamba, il y a Flatamo. Donc, nous avons fait des malheurs, mais. Voilà, nous avons évolué donc à la réception d'un bisou à mon hôtel, Flat Hotel Tenazia. Voilà, nous sommes dans l'escalier, donc avec toutes les bonnes conditions, c'est-à-dire sécurité, ça, tout les ça, pour que ils ont permis de nous avoir dans les meilleures conditions. Voilà, donc, et donc, moi, j'ai précisé le sous-sous, où ils sont très, très, très importants, parce que bisou, nous avons une chance, c'est un matin, où il y a beaucoup de choses à la carte. C'est-à-dire, dans la côte, c'est comme si dans la Dubaï. C'est-à-dire, climat, c'est-à-dire, confort, c'est-à-dire, il y a Flat Hotel, Tenazia. Donc, c'est comme si je suis à l'étranger. Donc, c'est comme si dans la communauté. Donc, je vous rassure que Tenazia, vraiment, c'est le meilleur. Tout le temps dans le restaurant. Voilà ce, le restaurant, il y a Tenazia. Qui l'heure qu'il est ici? Vincent Chiluiz. Qui l'heure? Oui, papa. Je te retrouve ici? Oui. Par rapport au Cajoni. Là où nous sommes, Tenazia, il a vraiment il pas eu rapide de retrouver le bonheur. Je ne sais pas si tu as un doutaka, manqué na cuisine, na bisson, et puis doutaka na buffet. En tout cas, je parie qu'il faut faire confiance ici. Parce que ici, vous allez retrouver ma bilo roi à Mano, vous retrouvez le roi à Koba, c'est tout ce qui est la République démocratique du Congo, richesse dans le et ça a. Donc nous vous rappelons que Tenazia, ils allaient appartement, ils ont un appartement équipé, ils ont la salle de fête, restaurant VIP où nous sommes à l'intérieur, et ils sont situés sur l'avenue Kalemelembe numéro 256, non loin il y a avenue. 24 novembre. Et aussi, il faut préciser que ma night club, service traiteur, et puis location, il y a ma véhicule, Vincent Tulis. Là, on vient de vous montrer le restaurant, mais là, tout qui est dans la chambre, vous allez voir, tant dans le confort, c'est-à-dire, il n'y a pas pareil. Donc, tout qui est de tout le monde. Ça c'est que très encore plus intéressant pour la Tenazia. C'est-à-dire ici, frères et sœurs, vous avez la Bisso,
Et ça, de moment où il faut remettre les colis, il faut retarder pour rendre visite. Il n'est pas obligé ou il n'est pas obligé d'entrer dans la chambre. Il y a vraiment ce salon qui est là, disponible. On a tout à visiter au Talayo. C'est-à-dire, au moins que à côté de côté, à côté de la chambre, à côté de ton appartement, à côté, voilà un endroit où vous allez très bien accueilli. Donc, c'est des salons où ils sont à Bambou. Et un élément très important, côté Wi-Fi, ils ont vraiment besoin de connexion vitesse, donc 4 jeux plus. Donc, ce que Wi-Fi, ils ont en mot, ils ont que non, Somba méga, Gosomba, non, non. Donc, connexion est permanente pour là-bas. Tous les clients au Bahoya Awa, au Bazan vous utilisez chambre, au Bazan séjour à Bango Awa. Donc connexion internet, en tout cas pour ce côté, rassurez-vous que Ténage a pensé à vous. Voilà, voilà, donc pour le bas, Vincent Chimizano, le Baneka va peut-être pas le bas, mais là vous voyez que j'avais vraiment raison et je continuerai à avoir raison. Quand il s'agit de parler de Ténasia, Flat Hotel de Ténasia, Awa, nous avons la chambre à louer. C'est-à-dire, nous mettons au monde à Oyo. Ce n'est pas des lits où ils que là, les lots n'ont pas ça la passe. Hein? Non. C'est-à-dire, vous allez dormir dans de bonnes conditions. Qui veut? C'est-à-dire, c'est comme si. Non. C'est le lit du client qui me regarde. Non, il monte son lit, donc on n'a pas le droit de. Excusez-nous, hein, parce que tout là, voilà. Et puis, nous avons un élément très important, ce garde-robe. Wow. Ça, c'est pour vous. Donc, Et le cintre. Il y a aussi déjà des cintres à l'intérieur qui vous permet de bien conserver vos habits. Mais ne vous inquiétez pas, même si c'est chiffonné, le courant est permanent. 24 heures sur 24, nous avons le groupe, nous avons le panneau solaire et puis nous avons l'électricité en troisième lien. Vous comprenez quand je dis les SNEL en troisième lien, donc on commence d'abord par les panneaux, le groupe et puis les SNEL à la fin. Voilà, et puis vous aussi gardez vos documents ici, hein. Il y a la clé pour vous. Donc, il y a la clé. Tout est bon. Et là au coin? Ah, je suis. Quand je vous avais dit que même si vous chiffonnez, ne vous inquiétez pas parce que c'est déjà prévu pour vous. Donc, il ne faut même pas vous demander, il y a Binokuna. Et puis, voilà, il y a vraiment de l'espace pour garder vos trucs. Il y a quoi encore? La cuisine. La partie importante en tout cas. Et puis, tout ce qui va suivre. Et puis, ce qui est un peu différent là-bas. D'abord, flat tout le monde à Yébi, c'est que dans ma chambre, vous ne verrez jamais ça. Mais ça, donc vous avez d'abord le restaurant en bas qui vous permet de. Il y a au lit, il y a au main. Et à mon père, ça rappelle le matin, tu te réveilles, bon, tu n'as pas envie de sortir, mais tu as envie de grignoter quelque chose qui leur. La cuisine est là. Je n'ai pas vu que dans cette cuisine, mais il y a encore beaucoup bien de bonnes choses. Un micro-ondes et en dehors de ce micro-ondes, pensez aussi à un réfrigérateur là où vous auriez à mettre vos histoires à l'intérieur de façon que les alaka malilés et les bâtés. Et là, regardez, il y a des verres, il y a des tasses, il y a tout en tout cas pour vous qui nous regardez à ces instants. Vous pensez aussi à un passadeur. Passadeur. Je veux dire, on ne va pas aller passer, et pas les voir, puis aux oies. Ici, là, vous allez passer. Parce que ici, vous aurez la précision. Hein. Et ça, pourquoi la tête, tout ça, c'est moi, taïque, tout ça, les poutres, la messe, non, non, non. Mais ici, ça passe encore une fois pour eux, pour le rendez-vous. Ça, c'est. Et puis, c'est un bijou dans la commune à Lingua. Que vous, le bateau Lingua, la bacolo Lingua, vous devez vraiment bien protéger. Hein. Ça, c'est pour prendre le thé le matin. Donc, c'est déjà. C'est pas. Ils ont à mon côté, c'est belé. Mais quand on prend le thé, il faut signifier Vincent Chiluise. Il faut tout simplement signifier quand on prend le thé. Il y a aussi ce qu'on appelle cafetière. Ça, ça va servir à mettre un bon café, une bonne dose d'eau, et après. Et
tasse de café. Et puis, c'est pour le papa chez la paix, porcelaine. Bon, on peut fermer ici, hein. On peut fermer. Et puis, il y a des poèmes. Il y a des poèmes. Donc, il y a des poèmes. En fait, Vincent, ça c'est pour ceux qui adorent, hein. Les œufs, couilles, si outre. Il y a aussi. Tu veux bah, je sais quoi. Ah, ok. Non, mais il y a tout à l'intérieur, il y a des ustensiles. Ok. Bah, de quoi vous me ratez. Ok, ok. Bah, les mots peut-être. Voilà, je comprends. Ah, je comprends. Il faut demander, hein. Elle est marmite. Ah bon. Merci. Il y en a, c'est deux. Ils ont mis balé. Ils ont mis balé, donc voilà. C'est donc, déjà avec ça. Le matin, ça passe. On alors, peut fermer. Non, il y a aussi le plateau. Oui. Voilà. Voilà, donc. National. National. C'est pour rappeler. Voilà. Ah. On peut fermer. Bon. Ah, oh, maman, pas comprendre. Ah. Voilà. Alors, maintenant, il y a un endroit aussi très important. La part. La plus sensible et la plus importante. Les naissances. Voilà. 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 Bon, on ne peut pas entrer. On ne peut pas entrer, mais il y a le charco. Et puis, voilà. Et je souligne que côté Kosokola, tout ça, Maya Moto, Maya Bio, donc. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Oh non, moi, la scolara, moi, la moto, la poto. Voilà, tout est vraiment clean pour vous. Alors, Vincent, je parie que la partie la plus clean est cette douche dont nous parlons, mais aussi un lieu de repos où il y a l'aération naturelle qui passe. Je veux, moi, personnellement, vous faire découvrir ce qu'on appelle. Est-ce qu'on peut bénir? Quelle aération là! Eh bien voilà! Voilà, voilà, voilà! Vous en ratez la suite Flat Hotel Tenazia. Ah. Parce que là, on vous a montré, vous avez juste des chambres, cuisine, mais là, maintenant, vous avez la suite. Et ce qui est encore très intéressant, ce qui est killer, c'est. Ah. Donc, juste fauteuil. Et là, du bon, enfin, comment tu sens le tissu, plutôt le mousse. Je manque de mots. Je sens qu'on est bien reçu. Et puis, ça s'apaise en fait. Le fait de s'asseoir dit tout. Quand tu t'assois, tu dis ah, enfin. Non, en tout cas, chers amis, au Bozota Labisso, à travers le monde, au côté de Babou, dites-vous que désormais pour vos voyages, pour vos séjours à Kinshasa, il n'y a que adresse Zaka Moko, Flat Hotel Tenazia, situé sur l'avenue Kalemele, mais numéro 256, dans la commune de Lingwala. Nolo est à 24, ça dit Nolo à 24 parce que déjà 24, ça vous permet. Qu'il y a des villes, qu'il y a partout, vous voulez fonctionner, même à n'importe quelle heure, vous pouvez rentrer. Il y a aussi la sécurité, où ils ont assuré. Et là, qu'il y a un mytho, parce que la cuisine, c'est la même chose, la cuisine est la même, sauf qu'ici, il y a plus d'espace, parce que ils ont plus d'espace, ils ont pu mettre mon toit là en bas, je vais aller vraiment ébélé. Et là, sur le couloir, qu'il y a. Ok, on y va. Et juste ici. Dans le monde, si tout ça a lié d'essence, jacuzzi, oui, dans la France. Voilà, il y a vraiment tout est bon. Je manque de mots pour vous décrire la beauté, les conforts que vous avez dans la Katia Flat Hotel Tenazia. C'est comme si on a déplacé Dubaï à Kinshasa. Vous voyez, chambre ça, suite ses amis. Mais vous avez aussi terrasse pour vous permettre de vous faire un pépé naturel. Surtout les soirs comme ça, ça fait du bien. Hein? Beauté! Ça dit, nous, quand on dit des choses, on ne dit pas des choses pour vous faire plaisir. Non, on dit des choses vraies.
Donc là, on est dans la salle de fête Thénazia, située sur l'avenue Kalembelembe, numéro 256, non loin, il y a commune, non loin, il y a avenue 24 novembre, non loin, il y a direction Mouchi, Kakanakasika, tu en as donc 10 jours, il y a Lingualengo, il n'y a pas deux, j'ai dit bien, il n'y a pas deux, dans la salle de commune à Lingualengo. Donc ça dit confort, qu'il est ici, au obligé. Donc il pose son nom dans la sous mariage. Pour une beauté à salle oyo. Non, non, non. Donc, d'habitude, ce que va faire, tu mets ça là, quand la carte à salle a fait, tout le monde va tirer le buffet et abattre en gamme, buffet et abattre en coteau. Mais vous avez remarqué que, ah, on est exacté. Exacté. Et comment on a été? Ils ont mon arrêté. Si on a un enseignant, je vais leur montrer le buffet. Suivez-moi. C'est-à-dire, il y a la salle, mais je vais vous montrer maintenant là où va réserver le buffet. Une particularité, mais il ne faut pas tricher, hein. C'est une originalité de Thénazia. Voilà. Je vais te montrer dans le film. C'est beau là. Ah, parce que moi je suis vraiment tombé amoureux de cette salle, donc ici il fallait recommencer. En tout cas, j'allais recommencer le mariage. Mais on m'a dit que. Il y a la bonne musique ici. Est-ce qu'on peut nous mettre quelque chose? On peut nous mettre quelque chose. DJ, est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour que tu aies la musique au Ezao?